Bonjour VOD! Bonjour VOD, je le redis puisque j'ai dit trop tôt. On est à la suite de A Plague Tale Requiem, on est chapitre 12 et il se passe des trucs, il se passe un combat contre le comte. Je sais pas trop comment ça se passait, on va voir. Refuser une telle invitation. Je dois bien l'admettre, tu m'as pris de court. Quel phénomène! Tu me provoques. Tu crois de toute ton âme que tu peux. Triompher de moi. C'est le cas. Vous n'aurez jamais mon frère. Oh, une telle abnégation. Faut pas que je rate mes. Pitié. Et celui-là, bon, c'est un de réussir en fait. J'ai l'impression. C'est du feu qui circule dans tes veines. Mais les flammes dénuées de discipline. Pardon, je baille. Elle le consume de l'intérieur. Je ne suis pas un soldat. Oh, je sais. Tu te bats parce que tu n'as pas d'autre choix. Moi, j'ai choisi cette vie. Tu ne peux pas lutter. Vous parlez trop, pauvre lâche. Soigne ta posture. Ne te livre pas. Tiens correctement ton épée. Tu ne lui fais pas honneur. Il est marrant. Il est marrant ce combat. Ne te bats jamais pour te défendre. Mais pas pour tuer. Pour conquérir. Ça ne change pas. Eh oui. Vous restez un lâche. Ouais, il peut te défoncer, hein. Qui es-tu pour oser me défier? Je suis Amicia de la... Rune. La protectrice. Oh, je... Tu m'inclines devant personne. On a pris trop cher. Et courage, ouais, ça va, c'est pas du tout... c'est pas les parties les plus dures, ce genre de truc. Mais c'est bien, ça. Tu vois, ça fait varier un peu le rythme. Tu sais bien t'incliner. Non, je vous implore, pitié. Assez. D'une mère à une autre. Quoi? Ça suffit, Victor. Nous ne sommes pas là pour ça. J'ai pas du tout compris ce qu'elle a dit, la mère, et j'ai compris. Tu m'en paieras une autre. J'ai rien compris à ce qu'a dit la maman. Je regrette. La guerre n'a pas épargné mon époux. Parfois, il peut se laisser emporter. J'ai compris au coupage de Nat. Ouais, bah c'est symbolique, mais c'est quand même vachement... ça fait un peu bidon, ouais. Vos enfants sont forts, vos liens puissants. Quand j'avais son âge... D'une mère à une autre, d'accord, mais... Je ne pouvais guère rêver d'un tel amour. J'ai pas compris. C'est vraiment... Ne soyons pas égoïstes, cependant. L'amour est fait. Il coupe les vœux, ouais, bah c'est pour un soir, ça veut dire domination, machin. Symbole de pouvoir, les cheveux, symbole de féminité, symbole de... Je sais pas. Car tel est le destin. Mais effectivement, j'aurais pensé qu'il lui prendrait la gorge, qu'il voudrait la tuer et que ça s'arrêterait. Au moment où elle dit non. Les cheveux, c'est un peu... L'amour peut tuer, Emily. Mais moi je pense que les cheveux, c'est que les développeurs en avaient marre de les animer. Au bout d'un mois, ils ont fait « Bon allez, viens, on trouve un moyen. » Mais une fois que vous l'aurez compris, il sera trop tard. C'est chiant les vœux. Pour vous, ça sera rapide. Donc maman va être sacrifiée. Je suis si fière de toi. Et d'accord, non mais what the fuck, comme ça! Amicia? Maman? Je me sens bizarre. Il est changé, donc on l'a dessapé pendant qu'il dormait. Je trouve ça toujours très bizarre. Et habillé, en plus. Même pas que on va te mettre à l'aise, non, non, c'est on va te mettre une tenue un peu cintrée et tout, quoi. Ça me perturbe toujours. Amicia ? Ah, un rêve. Maman ? Par contre, il a la classe, hein. Amicia ! Tu te sens toujours bizarre, Hugo. Ouais, j'avoue, il y a toujours quelque chose qui n'y a pas, Hugo, hein. Où est-ce que vous êtes ? Où est-ce qu'ils sont passés ?
Paris tout petit. Fais pas genre tu pousses ta porte à une main. Hein. Et oui, voilà. Est-ce que hier, pour finir la nuit, j'ai terminé de regarder One of Us is Lying, Netflix. C'est pas un rêve. Je sais pas si tu as vu. C'est vrai. Non. Oh, il y a des gens. Non, j'ai regardé récemment en français À couteau tiré. C'est sympa. En français, c'est le titre en français. C'est pas du tout un film français, c'est un film américain. Bon, c'était sympa. C'était, voilà, plutôt divertissant. Je sais plus comment ça s'appelle en anglais. C'est vraiment bien. Ah ouais? Ça sert à un chip pour ouvrir la porte. Lui, il arrive, ça fait... Oui, c'est vrai. Il arrive en poussant le doigt. Je pensais que c'était un cauchemar, hein. Mon tout petit. Retourne donc te coucher. Hugo, elle est morte? Non, non. Je vais te remettre au lit. Victor, ramenez-le. D'accord? Ils étaient pas obligés de tuer la mère, j'ai l'impression. Je sais pas, est-ce que c'est pour le rituel ou est-ce que c'est juste pour pas qu'elle se mette en travers de leur chemin? Mais dans ce cas-là, vaut mieux tuer Amicia, hein. La mère se mettra moins en travers du chemin qu'Amicia. On l'a bien remarqué. Ne restons pas là. Nous la mettrons en lieu sûr. Mais du coup, c'est peut-être rituel. Daniel Craig, oui. C'est ça, knife. A knife out. Ah oui, ça doit être ça, en anglais. Mais aussi, ouais, ça va, c'était sympa. Il faut plus de rats. Pitié. More rats. Casting de fou. Ah, clairement. Clairement. À part finalement l'un des persos principaux, là, la petite nana que je connais pas, je crois que tous les autres sont des acteurs que je connaissais déjà d'avant. Tous. Et toutes. Oh, c'est trop cool! Faut que je regarde un peu de l'autre côté. Non, c'est bon. Oh, ça, j'adore ce genre de moment où le jeu te fait plaisir et te dit tiens, vas-y, défoule-toi. Défonce-les. Un petit peu comme dans plein de jeux d'action où tu vas te mettre à contrôler une arme de ouf, genre... Genre une énorme... Un énorme bazooka, un truc comme ça où tu défonces tout, bah là voilà, là c'est pareil, c'est guerre. La facilité est vraiment bien. Ok. Oh, classe! Très très classe. C'est trop tard! Laissez-moi! Messire, pensez à vos sujets! Messire! Vous ne quitterez jamais cette île! Je n'en ai pas fini. Amicia. Oh. On va jouer le petit Luca. Amicia, ok Sam, bah je regarderai. Je me méfie toujours des films avec un casting très... Enfin, qui est un peu recensé représenter les ados, parce que moi c'est pas du tout des types de films en général qui me plaisent, mais je vais regarder. Même si comme tu dis, c'est des faux ados, mais on s'entend quoi. Non mais il est pas mort, il va faire un rêve de ouf encore. Même pas, je pensais qu'il allait être inconscient longtemps. Qu'on allait devoir se mettre un balai.
et que on allait avoir un rêve avec lui. Qui dit qu'il est, voilà, où on devrait venir à bout du rêve pour qu'il se réveille. Je pensais vraiment que ça ferait ça. Bon, bah ils sont plus que trois. Lucas, t'es suivant, hein. C'est bien Lucas, son nom, hein. J'ai ça en tête, mais j'imagine que oui. Écran blanc. Succès. S'il te plaît, Hugo. Merci, Farnalou. Tu gères. J'ai changé de titre à chaque fois. Regarde-moi, je t'en prie. Ouh. J'ai besoin de toi. Ah ouais, il a bien pris cher là. On peut pas rester là. Oui, c'est vrai. Il refuse de me parler. Il faut partir. Hugo, réponds-moi. Amicia, il faut se mettre en route. Et où veux-tu qu'on aille? Sur le port. Oui, ailleurs. J'ai besoin. On se trouvera un abri au calme. On n'y arrivera jamais, Lucas. Jamais. Jamais on trouvera la moindre paix. Regarde-le. Regarde. Je passe devant. Ne pense à rien. Suis-moi, c'est tout. Je vous emmène. Vous pouvez compter sur moi. Je vous porterai s'il le faut. Oula, oui, Bion, il va être un petit peu lourd pour toi quand même. Tout petit peu, hein. Respire bien à fond et lève-toi. Tu vois que tu peux. Allez, Hugo. Bien. Maintenant, je vous sors de là. Ok. On les fait voir au-dessus. Oh punaise, on est vachement bas en fait. Ok. Ils vont lentement parce que je vais lentement ou ils... Non, ils vont toujours assurer de mal. On va prendre une petite lumière avec nous, non? Ah, c'est devenu vraiment un zombie, hein. Et on le tient plus par la main. C'est ton bras. Faut la replacer. Ouf. Vas-y. Ne bouge pas. Ça va faire mal. Est-ce que ça va? Ça repose, il dit plus rien. Oui, hein, c'est vrai que je vais pas me plaindre. Hugo, on y va. Le gamin a levé la main. Pour me la donner, mais tout de suite il l'a arrêté. C'est rigolo. Comme s'il pouvait pas s'empêcher de faire l'animation. Je loue, t'es suge de moi? Voilà. Voilà. Évidemment. Oh non. Ça fait très mal ça. Une épaule en vrac depuis un accident. Jamais eu ça moi. Allez. Enfin, cette déboîte, je suis obligée de la remettre tout seul. Oh. Je la remets tout seul, non mais c'est un truc de fou. C'est bien mieux. Tuer ses ennemis en lançant une jarre. Bien ça.
Bon bah du coup, tant pis pour le loot. Hein. De façon, j'ai trop de trucs. Regarde, là-haut, une ouverture. On peut passer par là. Oh, très joli. Il y a sûrement des choses qu'on pourrait utiliser. Je vais voir. Reste avec lui. Amicia, tu es toujours blessée. Essaye de le ramener. Fais ce que tu peux. Je t'en prie. D'accord. Mais ne t'éloigne pas trop. Bon, Hugo, je pense que tu peux m'entendre. Je suis désolé. Ramener, ça tenait. Si mais le flippait, donc limite, ça faisait encore plus mal. Balle, j'ai appris à me servir des murs. Oh punaise, chaud. Semble s'étendre. Ça reflète sûrement sa diffusion. Continue. Laisse-moi voir tes yeux. Pupilles pas dilatées. Les clignes à peine. Et je vais voir ce qu'il y a ici. Un poteau avec une corde. Si tu peux entendre ma voix, bouge un de tes doigts. Oh, gamin, je vais te réveiller, moi. Bah, je plaisante, évidemment. Sois prudent. Super. Oh, voilà. T'as réussi à le battre ? Non, le papa dans le... Dans le scénario, de toute façon, on peut pas. Hein. C'est juste qu'on... Comment je vais faire ? On est épargné par notre mère, et après, Hugo vient nous aider. En gros, grâce à notre mère qui... Mais on s'est fait couper la natte. Aidez-moi. Du coup, on a une toute petite natte. C'est le seul truc que je trouve pour nous l'hiver. Ah oui. Arrête. Lève-toi. Effectivement, ça va pas être top. Lève-toi et vas-y. Moi, je trouve tout relou l'hiver. Je crois que le froid... Le froid, c'est encore plus chiant que le mauvais temps. Ouh, je sais pas, en fait, les deux sont tellement chiants. Ok. Tic-tac-touc. Comment va-t-il ? Ils font flipper un peu. Son esprit semble éteint. Je pense que ce n'est pas seulement le choc. C'est la macula. Alors, ah bah oui. Il va pas revenir. Pas encore. Utilisons cette chose. Commence pas à flipper tout de suite, tout de suite. C'est coincé. C'est beaucoup trop haut. C'est le seul moyen, Lucas. Oui, pas. Bah. Ah non, il avait quelque chose, Lucas. Amicia, on pousse. Voyons ce qui est derrière. Là, c'est un donjon de haut, là, hein. Vache. Ça tuera le soleil. J'aime pas trop toujours pas avoir de chauffage. Tu m'étonnes. Tueur de soleil. Le dévoreur de lumière. Comment ça se fait que t'as pas de chauffage ? Là dont parlent les écrits, elle existe. On essaye de pas trop le mettre, mais c'est compliqué. C'est chez moi. Ah. Non. Si, ce si, si. Chez toi. Ah bah si, hein. Hugo, regarde-moi. Ah bah... Tu vois bien que bon. Ce n'est pas lui, Amicia. Mais oui, voilà. C'est la Macula qui parle. Elle veut combler le vide laissé par la mort de votre mère. J'aurais dû la sauver. Ah oui, d'accord. Mais d'accord. Ce n'est pas encore fini. Tu m'entends, Hugo ? Hugo ! Trouver
ce bâtard de comte et le massacrer. Non, assez. Amicia, on doit quitter cette île maudite et l'emmener très loin d'ici. On va le perdre, Amicia. Oui, la vanne que t'as coupée. Oui. Tu dois le faire revenir. Ah d'accord. Empêche-le. Effectivement. Il a besoin de toi. D'accord. Tu viens me dire qu'Amicia a changé de coupe. Ouais, bah ouais, il lui... Alors je sais pas pourquoi. Ça c'est un truc... Oh putain. Ouais, ça... Oh la vache. Là on est vraiment dans... presque dans un autre jeu. Restez près de moi. Ah, je pensais qu'ils allaient pas l'attaquer. Vu que c'est la Macula. Dommage. Enfin, c'est trop stylé. Mais oui, voilà, on n'a pas trop compris pourquoi il a décidé de lui couper sa natte une fois qu'il l'a battue, ce qui n'a pas été très compliqué. En vrai, il était plus en train de jouer un petit peu. C'est de ça dont je parlais. N'approche pas des vapeurs. D'accord. J'allais dire, est-ce que les vapeurs s'enflamment ou je sais pas. Bon, ça va exploser, ça. Franchement, ces décors sont fous, quoi. Bah oui, oui. Hein? Ah, je l'ai pas fait, attends. Mince, elle s'est éteinte ma truc. Ah, mais parce que j'étais trop proche, je pense, d'une bulle qui a éclaté. Et ça a éteint ma torche, je pense. Cours. Ah, j'essaie de courir. On tient mieux avec ta balette. Attends, on tient mieux à la balette avec le... un côté du crâne rasé, c'est... Mais c'est chelou. C'est pour ça qu'elle a un côté de crâne rasé. Moi je pensais que c'était simplement pour donner un style un petit peu plus martial à Amicia. Qui se justifie en soi, hein, pas besoin de... Mais c'est parce que apparemment ça sert à... Mais c'est chelou. Il y en a à l'intérieur. Bah oui, elle les a attachés complètement derrière, complètement plaqués, je comprends pas alors. Hey, j'attends. Lucas, on doit y aller, vite. Oui. Puis une arbalète, ça se tient en plus. Enfin, c'est pas comme un arc, enfin bref, je sais pas, j'ai pas compris. Pas bon pour toi. Ici, c'est chez moi, ici. Bah, je pensais que c'est pour la blessure sur le front. Bah elle était rasée avant. Voilà, elle est rasée des deux côtés là. Elle était rasée que d'un, on est d'accord avant. Oui, 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 c'est ce qu'on en a parlé avant. Ah non, elle est rasée sur les côtés. Ah oui, d'accord. Bah, tu sais quoi, moi je crois qu'elle était rasée. Je croyais qu'elle était rasée que d'un côté, moi. J'ai pas fait gaffe que c'était des deux côtés. Oui, je cours, je cours. Je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Après que Arnaud est blessé? Sérieux? J'étais sûre que ça venait d'avant moi. Bon après elle se fait blesser assez tôt dans l'aventure donc... Ouh, il va faire quoi le gamin là? Il est allé vers le feu en mode Hugo. Comme Hugo. Un papillon dans la lumière.
lumière. Ah ouais, ouais, faudrait se renseigner. Ça... Enfin, si ça nous intéresse. Sur le côté, pourquoi est-ce qu'elle est rasée? Est-ce que c'est vraiment pour l'arbalète ou pas? Mais en vrai, je sais même pas si j'ai la curiosité. Oui, je suis prêt. L'histoire de ce jeu a été vraiment bien travaillée. C'est, écoute, c'est pas mal. J'ai très. Voilà, on a. Ça reste classique sur pas mal de trucs. Dans les événements, on comprend. Voilà, il y a beaucoup. C'est assez manichéen finalement et on voit assez vite voilà mais on voit assez vite les choses venir mais après les le en fait ce que j'allais dire surtout les différentes phases du scénario et surtout le rythme que je trouve pas mal. C'est moi. Non, c'est de ma faute. Mais si, c'est celle d'Era. C'est moi qui ai fait tout ça. Non, c'est le comte et la comtesse. Partons loin d'ici. J'avoue, j'ai pas la vérité, je crois que je m'en fous. Ouais, c'est ça, hein. Je crois que moi aussi, en fait. J'aurais pas la curiosité de me renseigner sur les cheveux d'Amicia, j'avoue. Ils sont encore là. Toujours. Toujours dans ma tête. Hugo, laisse-le, Amicia. Ouais, il va les pousser. Il en a marre. Très bien. Je crois qu'ils t'ont entendu. Je ne t'avais jamais vu faire ça. Parce que ça fait mal. Un peu quand même. Donc, je suis désolée. Ouais, mon PC a planté. Ah. Eh bien, heureux à toi et à ton PC. J'espère que vous allez bien tous les deux. Secousse a cassé les jarres d'huile. Des soldats. Pourquoi on veut toujours l'enfant? Il va causer notre perte, il a tout détruit. Carrément, mais oui. Parce qu'il est sous l'influence de la profanatrice. C'est pour ça que... Le comte est toujours vivant. Je voulais pas du tout faire ça, je me suis trompé de touche. Toujours balade. Ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai que t'es balade et t'es toujours balade. C'est frais, ça. Reste près de moi. Vous vous cachez là, hein? Non. J'arrive pas. Oh, je peux pas. Oh merde. Je voulais looter, j'ai pas pu looter, ça dégoûte. Allez, tue-le là. Il visait là-bas. Hein. Il visait pas du tout ma tronche. Hein. Ça dégoûte. Cachez-vous donc. Je vous trouverai quand même. Derrière toi, Stéphanie. Ok, je vais essayer de relooter ce que je peux looter. En vrai, il a pas ce feu sur lui.
tu m'agaces. Ah, légendaire. Mais je suis trop légendaire, moi. Je sais pas si vous saviez. Il me faut des rats, là. J'ai pas, ça dégoûte. J'ai pas de rats, ça dégoûte, en fait. On peut faire un stupéfactieux sur lui ? Moi j'aimerais bien moi. Tu veux pas stupéfaxier ? Ils veulent encore ta mort. Oui, malgré bah. Tout ce chaos, ils préfèrent tuer que d'affronter leur propre mort. Rien de nouveau. Écoute, en tuant tout ça, ils disent peut-être que ça va peut-être résoudre le truc. Et moi je me dis pareil, alors franchement je vais pas les juger. Pareil. Ça c'était pas mal là. Ça moi je trouve c'était vraiment pas mal. Mais on y sortit hein. La porte là-bas. Je crois que c'est l'entrée du village. On casque. Oh. Oh, mais pas de rats à proximité. Non, pas de rats. C'est trop. Il faut trouver un moyen de l'atteindre. Ah, faut que je fasse exploser ça. Est-ce que je peux le faire ? Autour de lui qui a ses commentaires. Oui, bah écoute. Il me dérange moins hein, ses commentaires. J'aime bien Lucas. Moi j'aime bien, c'est le poteau Lucas. Poteau un peu intello, c'est un masse poteau quoi. Comment je pète ça à eux ? Comme ça. Un jeu que j'adore, mais le jeu, mais c'était médiéval, c'était fable. Oui, c'était médiéval avec quand même de la modernité. Parce qu'il y a des flingues et beaucoup d'humour dans Fable aussi. Donc je dirais que c'est un style un peu particulier, style le style de Molineux. Molineux, pas Moulineux. J'aime beaucoup, ouais. Très vile d'être cette radcam. Oh, j'avoue. Je vois un bateau là-bas. Oui. Et oui, les fables. J'arrive pas à croire que la comtesse. J'ai fait les trois. Le premier, je l'avais pas fait au début. Je l'ai fait il y a pas super longtemps. J'ai kiffé. Ouais, Peter Moulinien. Il porte la muraille. Merde, j'aurais bien aimé voir ça. Ouais, moi aussi. Mais il y a un fab qui a été annoncé, mais je sais pas si c'est un nouveau ou si c'est un reboot. On doit l'aider. Ça s'appelle juste Fable, donc bon. On est obligé d'y aller. Vraiment. Même après ce qu'il a fait. Je préfère un nouveau. Surtout qu'il a pas mal vieilli le premier. Par contre, j'avais pas aimé le DLC. J'avais trouvé chiant. Je l'avais eu en.
dans le pack et c'était pas dans le pack que j'avais acheté. Oh, wow. L'essai du premier, je veux dire. Les autres, j'ai pas fait. Trop stylax. Ils sont presque avec nous. Pas une profanatrice, hein. Je suis une prostituée. On va pas commencer par les bouffes, hein. Autant hier, hier j'avais pas faim, donc quand on parlait bouffe salée, oh, ce soir j'ai trop faim. Je peux pas? Ah oui, parce qu'il y a mur. There is a mur. Fable anniversary, oui, bah c'est le premier. Je mangeais à peine une demi-heure, moi. Je mangeais tout, je mangeais à 19h. Parce qu'on avait fait les courses, alors on s'est dit allez go. Pas du tout ça. Hein? Non, ça. Reste concentré. Ouais, mais pour le moment, ça va m'en servir. J'ai oublié de manger avec mes cannes à grangement. Ah, je peux lui demander de faire ça, non? On peut-être pas utiliser un carreau pour ça, on peut-être pas déconner, hein. Ces on n'a pas en même temps. Et moi je suis imbe. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un bonhomme ici. Pas maintenant. Là. Ouais, contrôler les rats, c'est sympa, ouais. Tu rien. Mais il y a R, mec. Nous sommes repérés. Arrêtez, comment ils savent? En me voyant sous prétexte qu'on me voit. Ouh. Prétexte qu'on me voit, tout de suite on sait où je suis quoi. Je sais pas vraiment par où je vais passer. Je sais plus par où je vais aller. C'est quoi mon objectif? Attends dans le port. Je sais pas où il est. On va dire qu'on est sur la bonne voie. Hein. Chat de malade. Pff, tout de suite. Arrêtez de parler s'il vous plaît de mon organe génital déjà. Et ensuite, c'est un peu gênant. Et ensuite, même si c'est pour faire des compliments, et ensuite c'est pas vrai. C'est juste de la logique. Et je savais. Voilà, vous vous sachiez pas, moi je sache, et puis c'est tout quoi. L'enfant nous sauvera. C'est l'enfant
C'est la fin. J'espère juste que je serai encore là pour le voir. Pas de raf, chieux. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. On s'en peut pas. Merci beaucoup, c'est Lox la meilleure, voilà. Tout simplement, en fait. Ils sont tous de dos, ils sont tous de dos, ils sont tous de dos, ils sont tous de dos. J'ai l'impression que c'est... Bon, j'ai pas de rat ici, ça fait chier. Ah oui, j'ai un peu déconné. Ah, j'y étais trop tard. C'est ma faute, ça se passait bien. Putain, c'est ma faute. Je suis où? J'étais bien là. Hein. On va attendre. Est-ce que je peux faire une petite diversion, genre là je me suis levé, je voulais pas par exemple, petite diversion au calme. Et sinon. Je vais pas stupéfier quelqu'un là-bas, non. J'espère vraiment que Sophia est en vie. J'aimerais vraiment croiser quelqu'un qui ne veut pas nous tuer. Ouais, j'avoue. En fait, quand on croise quelqu'un qui veut pas nous tuer, en fait, c'est quand même quelqu'un qui veut nous tuer, mais qui nous le dit pas tout de suite, parce qu'il a un plan. Voilà, ça va. He's okay. Ah, j'ai fait assez peu de victimes, en final, hein. Tu peux au début, là, mais vite fait, quoi. Calme. Non, c'est presque une meurtre sans bavure. Une game sans bavure. Je crois que j'ai fait un petit lapsus. À partir du moment où je remplace le mot game par meurtre, c'est que bon, il y a peut-être eu quelques bavures en fait. Salut Gostas. La belle jury qui joue, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Je regarde pas cette Coupe du Monde, ça me débecque. Tu m'as tous ? Bah non, pas du tout en fait. Allez, c'est parti. Grimpe tout de suite. On va devoir sauter. Oui. Bouger de mots, Booba. Ah, tu vas de mort fufu, mais l'équipe de la Belgique à la dernière Coupe d'Europe était dans les favoris à la dernière Coupe du Monde aussi, hein, en soi. C'est vraiment... Les Diables Rouges, c'est une excellente équipe. Hein, au niveau mondial. Mais malheureusement, c'est une excellente équipe qui n'arrive pas à... comment on pourrait dire, c'est lui, le fameux Arnaud, celui qu'on a concrétisé. Oui, et on doit le sauver, même s'il ne le mérite pas. Je vois, c'est une sacrée troupe que vous avez réunie là. Monte. Ouais, MDR, gâche ta. J'ai pas compris. Frite maillot leur nom. Mais c'est quoi ce racisme de merde là que vous faites là dans le chat? C'est ça que je voulais faire. Je me suis trompé. Ah oui, bah oui, pour le coup, oui, hein. Favori mais toujours deuxième. Oui c'est ça. Favori mais toujours deuxième. J'aurais dû essayer en vrai. C'est que je voulais les avoir tous en un coup.
En plus que frites mayo, ça... Bah, résume... pensez que frites mayo, ça résume la Belgique, ouais, c'est vraiment nul. Parce que non, quoi. Ça, c'est exactement comme les... En fait, tu te comportes comme les vieux Américains sur les jeux toxiques qui font baguette, baguette à chaque fois qu'ils voient en français. Tu viens de faire pareil, mais avec des Belges. Chier. J'aurais dû tous les buter, mais j'ai pas tous buté, ça fait chier. Merci. Mince. Je fais ça, je vais pas du tout faire ça, je vais faire l'autre. Bah non, pourquoi faire? Oh, ça t'a raté un petit peu, hein. T'aurais pas un petit peu raté, toi, bro? Ah non, merde! Je peux les... Ah oui! J'avais pas vu ce que c'était, je crois que c'était un truc qui faisait de la fumée, mais c'est pas un truc du tout, un truc qui fait de la fumée. Ok, j'ai compris. Ça les a pas tués, c'est du... Oh, je suis dégoûtée, ça les a pas tués. Ça dégoûte, en fait. Dans sa gueule, à l'autre. Alors, attends. 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 C'est imminent. Ça le crame pas! Mais il est dans le feu! Il est littéralement dans le feu! Ah d'accord. Oh oui, il a une... Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse... Mais oui, je suis con, faut que je fasse ça d'abord. J'avais pas vu que... Je cherchais derrière et en fait c'était devant. J'avais pas vu. Est-ce qu'il a une autre armure à éclater ou pas? Possible derrière? Non, non. Est-ce qu'il y a qui me tire dessus de là-haut? C'est chiant. Attention, bouge pas trop toi. Voilà. Maintenant, est-ce que je peux faire un truc genre... Genre... Je suis obligée de les avoir avec un... Un stratagème. Merci, c'est gentil puisque je galère. Je suis très très lente. Mais je te promets, je fais ce que je peux. Ah non, c'est chaud. Oh c'est... Non mais je suis dead là. Voilà. Deux. Alors il faut que je fasse ça. Ensuite il faut que je fasse ça. Voilà. Là je reprends une. Il faut que je fasse... Ah ça va pas marcher. Je fais ce que je peux hein, c'est chaud hein. Merci beaucoup, c'est cute. Je me suis trompée d'arme, j'ai plus la bonne arme. Je fais ce que je peux, attendez. À force de dire je fais ce que je peux, ça va finir par
rentrer. Non ! Chier ! Vous pouvez rien me faire là. Si, 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 ils peuvent. Mais ouais, mais voilà, j'ai bougé un petit peu aussi. Faut que je me refasse tout. C'est sûr. Libéré Arnaud ? Ah, il est où Arnaud ? Ah, c'est lui Arnaud. J'ai juste de me rendre compte en fait. C'était Arnaud, c'est pour ça qu'on veut le libérer. Moi j'avoue, je veux juste sauver un type pour me dire tiens, pour une fois on sauve une vie, ça change. Voilà. Et rire. Attendez, je vais m'occuper de vous vraiment. Mais ceux qui me tirent de loin là, c'est chiant. Voilà, ça c'est fait. Je fasse exploser ça à côté d'eux, mais il y en a un. Et gamin, là, je peux pas te pousser quelque part, là. Chier, quoi. Ok. Je cherche comment faire exploser un truc au niveau de E. Ça, c'est un truc que je peux... Non, je peux pas faire exploser. Il me saoule de fou. Voilà. Non, 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 non. Comme c'est que je passe mon temps à essayer à chercher mes armes parce qu'il faut que je sois à l'arrêt pour pouvoir changer d'arme. Si je pouvais changer d'arme quand je cours, bah je le ferais, mais... Je peux faire comme ça? Ok. Voilà, ça c'est fait. Ils sont un petit peu ralentis et moi je marche dans du rien, ça m'énerve là. Ils sont un peu kéblo. J'aurais voulu m'en servir, mais je ne sais pas comment. Voilà, faut que je les fasse marcher là-dedans. Ah non, ça leur fait rien du tout. Ah ouais, non, ça leur fait rien du tout. Non, c'était ma seule solution en fait. Moi je suis pas dans la merde moi dis donc. J'essaye de courir hein, je vous promets. Ça c'est quoi ça, ça fera quoi ça? Je sais pas. On va... Je sais pas. Ça fait un petit peu mal quand même ou pas du tout? Ils en ont rien à battre. Ils en ont rien à battre. Ok, ok.
Ok. J'en ai un de moins. Alors celui-là, falloir faire preuve d'imagination. Oh putain, il y en a un qui fait chier là-haut. J'ai plus. Merde, j'ai plus le temps de le prendre. Ah, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Ok, c'est pas ça. C'est pas grave. Ça peut-être. Je sais pas ce que c'est. Faut que je trouve une autre flèche, faut que je trouve une autre flèche, faut que je trouve une autre flèche. J'ai raté la flèche, je t'ai écouté. Hugo, aide-moi, putain! Non mais le problème c'est le bouclier, c'est pas le plastron. Le plastron en fait je peux pas l'atteindre tant que le bouclier il est là. Non. Ok. Ça suffit. Parfait. Maintenant, cette foutue corde de mon cou. Ah, oui. Bah le poids, j'en avais plus en gros, et les petits, bah ils arrivaient à l'esquiver. Et le feu, c'était mon dernier, je crois. Hein. Oh. Allez les rats. Je t'en supplie. Bah j'essaye de maxer l'arbalète mais il manque toujours les outils là. Bon sang. Je t'aiderai pas tout de suite du coup. Ah. C'est terminé maintenant. On y est arrivé Hugo. Oui. Ah ouais, avec les pots que... ça marche. Il aurait pas calme-toi, fait un coup de bouclier sur le pot. Parce que moi vu que j'ai pas beaucoup de pots, je préfère être sûr. S'il vous plaît. Parce que je m'étais dit ça, moi. Mais oui, effectivement. J'aurais dû quand même essayer. C'est qu'avec les armes, c'est tellement chiant. Alors, quand tu cours, quand tu fuis. GG, merci, c'est gentil. Hugo dit que c'est à lui. Mhm. Oh la vache, la tronche d'Hugo. Oh oui, on a un combattant avec nous. J'applaudis de deux mains parce que d'une seule main ça fait ça. C'est vachement moins stylé. Oh, mais on a tout le monde en... Vous en avez mis du temps, tous à bord. Allonge-toi dans un coin. Attends. Et ta mère? Elle reviendra pas. Il faut partir. Vite. Je vois. Je m'occupe du reste. Toi, viens. Ouais, changer d'arme au courant, t'es obligé de passer dans le menu, mais j'arrivais plus à changer les munitions dans le menu. Je sais. Et du coup, bah faut avoir trois mains. J'aurais voulu lui dire des tas de choses. Moi aussi. Mais elle savait. Elle savait déjà tout. Tu étais le plus beau des cadeaux. Elle t'aimait tel que tu es. Tel franchement t'a fait. Un gosse comme ça, là? Je veux dire, un gosse tout bah, qui détruit le monde, en fait. Non, hein. Non, bordel. On va. Désolé, hein, mais c'est non. Je refuse de me dire que c'est... Non. Nos blessures. Je refuse. On doit les garder. Pour ne pas oublier. Pour les accepter.
jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus mal. Je ne pensais pas qu'on reviendrait. On n'est pas tous revenus. Non, il manque ta mère. Mais c'est un fan de lui. Il ira mieux maintenant. Comme nous tous. Je suis là si tu as besoin de parler. D'accord. Oh, t'as l'air frais. Mouais. Écoutez, je crois que je vais arrêter là pour ce soir. Vu qu'effectivement, ça va être encore un peu plus long. On va arrêter là. Bisous, VOD. C'était Black Tail.